tout le monde, bienvenue sur News AD. En fait, nous parlons dans Alabama à côté un simple citoyen tout d'un coup, il est venu millionnaire, 2 millions de dollars qu'il fait dans mes Walmart. Et c'est ça pour dire pas bon ici, pas de monde qui est au-dessus de la loi. Walmart qui passait de présentation et un store qui trouvait un peu partout aux États-Unis et maintenant il attaquait la justice et il arrive à gagner et récompense pour dédommagement qui a fait c'est 2 millions de dollars. Et maintenant ça passe et il se trouve que la shopping et bien il a accusé et il a accusé comme quoi que l'État fait shoplifting, l'État volé grosserie. Pour combien, mes amis? Pour 48 dollars. Il a accusé comme quoi le volé grosserie, en fait, que l'acheter en dedans qui t'a coûté 48 dollars. Et après ça, il a menacé avec un lawsuit. Côté que il dit que, tenez bien, côté que il dit que, et faut qu'il repaye 200 dollars. Ça veut dire plus bénéfice, ok? Et donc il dit faut qu'il paye Walmart 200 dollars. En fait, bah la sortie en 48, il y a là là sur 200 dollars mais côté le mener Walmart. Kounye la Walmart nan show qui va le gagner pour le bail et dame ça qui c'est Leslie Nurse, lui même tout qui pas égaré, j'ai clairé qu'elle fait là sous parle et le gagner Walmart a gagné pour payer lui 2 millions de dollars, il fait propre là sous lui après que et Walmart fin arrêté lui. Femme nous que son bagage qui passé et depuis 2016 oui. Et c'est des fois là sous qu'on mène loin avant pour gagner cobla. C'est même bien comprendre les pour gagner 2 millions de dollars le prend temps. Et mes amis combien bagage dame a acheté 11 ti les a contrôlé quantité ça l'a acheté 11 items. OK? La dernière t'ai gagné Christmas là, t'ai gagné petit pain. Vous comprenez pas mon a fait trop bon, non bien entendu, mais il gagne l'esprit quelque part. Et c'est temps pour aller sortir dans store là, ça passe dans Alabama et manager a campé. OK, il a campé lui justement et il a mené l'autre côté à part. Lui même il dit bon, je pense que son ouais, bah ça va résoudre. Et après, attendez bien, vous comprendre cause là. Et puis il vient bye la vague. Ou d'accord? Maintenant, il se trouve que dans Capal là, une année plus tard, attendez bien, une année plus tard lui recevoir notice de la part de yon film avocat. Il dit Walmart prend film avocat pour ça mes amis. Lui recevoir notice de la part de yon film avocat qui menace de civil lawsuit s'il pas dégagé coup mettre Jean-Jacques pour bailler 200 dollars. Un an plus tard, il recevoir lawsuit. Donc on est réputation entaché tout pour après le voler pour bagarre pour 48 dollars. 48 dollars. Hein? En fait, leur film ça, c'est normalement c'est Walmart, c'est client, il travaille pour Walmart, c'est lui qui justement mandé pour voyer mandat. Claim by madame là. Eh bien, dame là tout qui c'était un monde éclairé qui gagne tête, eh bien lui même tout, il fait propre leur sous lui contre Walmart côté que lui accusé Walmart cap justement fait des accusations fallacieuses sur des séries de innocents citizens et que par la suite a menacé au pour bailler l'argent. Et lui expliquer l'elle fait leur sous parler on m'a tape chercher fait même bouche lui pas de blé pour monde pas et tendel et littéralement dit OK bon moi surveillance caméra côté que dit me fait chop le film là attendez bien. Qui logique, il dit OK, ben moi vidéo caméra qui montrait que moi voler que mon voler. Il va pas les baler. Donc là le tribunal là reconnaît que Walmart justement il a intimidé monde et sous des accusations fallacieuses qui ont pas grand aucune preuve. Et lui explique lui même là dans côte lui relé Walmart pas grand ken moun qui était show up et sous en fait pendant à trois reprises. OK, et n'a rappelé que vol spécialement en Alabama c'est une félonie et les on moun fait shoplift il dit wal dans store ou voler ou ta voler un bagage qui moins que 500 dollars ou mais marchandise
ou capable charger jusqu'à 6000 dollars et ou bien ou capable passer n'importe un an dans prison. OK? Et pendant manzé en fait côte le traîner Walmart dans côte là pendant la discussion yo, yo t'a expliqué que Walmart fait souvent et utiliser stratégie ça au côté que derrière en moun yo silencieux et pour le capable justement collecter et moun que les accusé pour le capable prendre l'argent et comme quoi pour moun yo pas ta parler et nurse en fait il dit gain un abus de process et n'a causé ça il était fallu depuis 2018 te gain nous connaît te vinn gain des problèmes avec pandémie ou te vinn rapporter li et hier avant hier lundi à là et bien juge prend décision en faveur li et il dit Walmart a rien pour bali 2 millions de dollars comme action punitive de on dit exactement 2 100 000 dollars. OK. Et de toute façon, Walmart dit lui-même dans la déclaration, il va le faire à pile. Et il dit que la décision ça prend, que le juge la prend. Et pas de évidence pour ça. Et autre, il pense que son barrage allait à l'excès. Et il dit que Walmart va le faire motion. OK? Il va le faire motion. Et il dit que c'est droit, il veut le customer safe et autre. Bah ça et maintenant on dit que dame nan dit c'est vrai que l'arrivé fait 2 millions de dollars journée jodi a but et li gen problème toujours faut le fixer réputation on comprend parce que cette histoire li dit et réputation que au sale comme quoi tu as fait shoplifting c'est un bagage qui dur li gen pour le fixer et réputation donc son façon pour dire qui ça son façon pour dire que à tout monde que effectivement n'a vivre dans un pays de droit et que n'est pas gon causer que moi c'est autorité yo connais moi gain renommée moi gain l'argent c'est que pas bon ici la loi est une pour tous donc qui tout victime d'accusation de vol qui tout victime d'accusation de discrimination des pour cas argumenter d'abord en parlant de discrimination qui sont l'autre causé gain instance gain droit du travail dans chaque county chaque côté gain instance qui pour protéger travailleur qui t'a subi abus qui est capable faire reporter mais tout ou capable toujours joindre avec avocat qui spécialisé dans droit du travail qui capable argumenter qui soit c'est que effectivement hein, et compagnie capable trouver dans des situations côté que y a payé des millions pour être fait fréquent c'est ça qui fait gombon là dedans qui et qui veille quoi OK yo veille quoi et parce que manzé là et tout d'un coup là les millionnaires bon de toute façon 2 millions de dollars et m'pa quoi le voir bail avocat moitié bon même les tout bail ta moitié la prête 1 million donc voilà mon exemple côté que et bien une multi compagnie perdit devant la loi. Donc voilà guys, nous devons partager update ça avec nous-mêmes. C'était un véritable plaisir.